Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle ouverture de cartes Pokémon, et cette fois-ci on se retrouve pour ouvrir le coffret Elector X de la série 151 du bloc Écarlate et Violet, c'est donc la série 3.5. Une série catastrophique en termes de taux de drop. Si vous voulez savoir un petit peu de quoi je parle, je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos sur cette même série 151, notamment l'Ultra Premium que j'ai faite la dernière fois en vidéo, dans laquelle il y a 16 boosters et on a eu un taux de drop assez catastrophique, minable, lamentable, tous les adjectifs que vous voulez. Donc une série très compliquée à compléter, étant donné qu'on n'a jamais de hit en fait. Donc voilà, on se retrouve pour ouvrir ce petit coffret que je me suis procuré comme d'habitude sur la même boutique, GM Cards & Toys, ici présente. Donc je vous invite à aller faire un tour. Pas de code de réduction, pas de partenariat, c'est vraiment une boutique que j'apprécie personnellement pour les prix, pour la livraison, pour tout ça. Donc voilà, on va s'ouvrir tout ça, je vous dis à tout de suite lorsque c'est fait. Voilà, l'item a été déballé, voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir dans celui-ci, avec tout d'abord la carte promotionnelle de Elector X ici présente, suivie de la carte Electek commune de la série principale de 151, mais avec un holographisme cette fois-ci, et indisponible dans les boosters, c'est vraiment unique à ce coffret, même si ce n'est pas une carte promo. Donc voilà, une carte Electek holographique qu'on va pouvoir mettre de côté. On a évidemment la carte Jumbo ici présente de Elector X en promotionnel également. Plutôt stylée, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, donc tant mieux. On la met de côté par ici. Et ce qui nous intéresse, c'est les 4 boosters dans lesquels on espère au moins avoir un hit. Et on commence tout de suite. Et c'est parti, on a, bah, comme par hasard, le petit Electek pour commencer, qui est en commune, pas brillante du coup. Smogo, Sac de Nœuds, Tadmorve, Taignon, en peu commune suivi de Papillusion et de Poisson Roi. La première river, c'est Roucarnage, qui sera suivi de Tauros. Et on commence avec un petit Staros holographique classique qu'on va mettre par ici. Et l'énergie, on s'en fiche un peu, on peut la mettre dans le coin. Voilà, on enchaîne avec le deuxième booster. Et on commence avec Voltorb, suivi de Krabi, de Sabelette, de Otaria. On a Scarabrut un peu commune, ok. Nosferalto et transfert de Léo. Premier reverse, le Poissirène. Derrière cela, Petitard. Et enfin, la petite Rafflesia holographique, suivie d'une énergie ténèbre. Avant-dernier booster déjà, et aucun hit, évidemment. C'est parti, on a Osselet pour commencer ce avant-dernier booster, puis Goupix, Magnéti et Chenipan en commune. On a Aquacouac, Scarabrut et le transfert de Léo en peu commune, suivi de Crustabri en premier reverse. Deuxième reverse, le Galopa. Et on termine avec Léviator holographique et l'énergie de type O. Dernier booster et bien entendu aucun hit. Allez, c'est maintenant pour avoir un hit. Abra, Topiqueur, Soporifique, Bulbizarre en commune, Charisme de Giovanni, Rhinophéros et le Bandeau rigide en peu commune. On a encore Crustabri reverse, Otaria reverse et une Dracolos holographique, une énergie aqua pour terminer. Allez, comme d'habitude, on fait le bilan de cet item. On a eu Elector X et Electek en carte unique et en carte promotionnelle pour Elector. Deux cartes qui sauvent l'honneur car il n'y a rien eu d'autre, hein, tout simplement. Comme d'habitude, sur 4 boosters, aucun hit. Un taux de drop catastrophique pour cette série 151. Bonne chance pour la compléter. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut !